devant nous, c'est une volonté de la part du gouvernement, en fait, de signer une entente avec les pays d'Asie pour entre partenariat économique un peu dans la tranche de l'ALENA. Et ça va, en fait, ça va avoir des répercussions sur, en fait, en fond, dans toute l'agriculture. On va avoir, pour importer du lait, pour importer du fromage, en fait, d'ailleurs, il va y avoir des impacts, en fait, sur l'économie québécoise. À la CSQ, on est très inquiet sur les conséquences potentielles de cet accord de libre-échange-là sur l'éducation, parce que l'accord ne prévoit aucune exclusion explicite de l'éducation, de cet accord de libre-échange-là, ce qui pourrait l'exposer là, à une privatisation et à une commercialisation accrue de notre système d'éducation. Donc, c'est une menace grave à notre enseignement public, gratuit et de qualité. Le deuxième élément très important aussi, c'est que l'accord prévoit un mécanisme de règlement des différends entre les investisseurs et l'État qui octroie beaucoup de droits aux investisseurs étrangers là, pour contester les législations et les réglementations des différents États, des différentes nations. Alors, on est face là, encore une fois, comme les autres accords de libre-échange, à une accentuation du déficit démocratique et de l'effritement de la souveraineté des différentes nations. Donc, c'est pour cette raison que la CSQ est présente ici aujourd'hui.